Eddie Aris, Deros, 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 Deros. Non mais putain. Et même Slime CGX, donc aujourd'hui on se retrouve pour vous partager ma technique de clic, comment je fais pour cliquer en ce moment. Donc je trouve personnellement que c'est la meilleure technique et que c'est la technique la plus précise de clic que je connaisse pour Minecraft. Donc voilà, je vais tout vous montrer les gars, parce que j'ai beaucoup changé de technique de clic. Alors pour moi les gars, la meilleure technique de clic c'est le butterfly tout simplement, parce que c'est précis et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait si vous voulez les gars, quand butterfly, ça tremble pas. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Donc là ça passe. Et voilà, c'est pas comme le jitter où est-ce qu'il y a plus de chances de trembler et de pas être précis. Alors que le butterfly en fait, si vous voulez, bah au moins vous faites plein de clics. Et puis voilà, c'est précis quoi, et vous pouvez faire des grands mouvements. Mais après genre je sais que personnellement ma souris c'est une G502, elle est cool pour genre vraiment beaucoup de choses. Pour le jitter, pour le butterfly. Après pas tout le monde pour le butterfly, parce que si vous voulez les gars, moi j'ai pas des grands doigts, enfin des gros doigts plutôt. Du coup ça fait que bah je peux cliquer tranquillement sur la G502. D'ailleurs les mecs, je voudrais vous parler aussi de mon projet. Je suis en train de faire un projet qui est en train de s'aboutir, qui va bientôt ouvrir, donc c'est mon serveur les gars. Ça fait bientôt un an que je suis dessus. Et que, enfin ça tourne en rond, on a des idées, ça tourne en rond, on n'a pas de dev et tout. Là on a un dev. Alors où je vous parle les gars, il a bientôt fini le plugin. Du coup ça va être un truc genre vraiment énorme. Ça va pas être un faction comme vous avez connu, des petits factions et tout, genre en mode avec rien d'intéressant. Ça va être vraiment un truc, j'ai vraiment tout optimisé pour que bah ça soit le plus plaisant à jouer tout simplement. J'essaie de concentrer un maximum le gameplay du faction. Genre par exemple vous ennuierez jamais sur le serveur, vous aurez toujours un truc à faire, du PVP, un event, un truc comme ça. J'ai vraiment tout optimisé, juste à mettre en œuvre le dernier truc et normalement c'est bon. Donc c'est un projet qui me tient à cœur les gars, ça fait longtemps que je suis dessus avec une grande équipe maintenant, ouais c'est une assez grande équipe quand même. Ça fait longtemps qu'on bosse dessus, surtout les builders. En tout cas voilà, moi je suis ultra content de tous vos retours sur les dernières vidéos, en sachant que bah on a dépassé les 51 000 abonnés. D'ailleurs si c'est pas déjà fait, bah n'hésite pas à t'abonner. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je fais une vidéo tous les jours en ce moment, si j'y arrive. Donc si c'est pas déjà fait, bah n'hésite pas à t'abonner quoi. J'ai refait un live il y a pas longtemps les gars, c'était assez cool. Il y a tout le temps des grands donateurs et assez de monde, même si je pense qu'on pourrait faire plus sur les viewers tout simplement. Allez facile. Alors énerve-toi mec, énerve-toi, oui. Oh oui, énerve-toi. Bah énerve-toi mon petit. Au fait les gars, le pack pour cette vidéo c'est celui-ci, voilà. Donc j'essaie de changer chaque vidéo, comme ça bah au moins ça vous permet bah, de connaître d'autres packs. Parce que moi avant genre je jouais que avec le même pack, c'était un peu chiant. Donc du coup bah là je vous ai demandé en commentaire des packs et vous m'avez donné beaucoup de packs tout simplement. Ok parfait franchement. Proposez-moi aussi des idées de vidéos en commentaire les gars, parce que en vrai en daily upload c'est un petit peu chaud de trouver des idées. Et puis même quoi, c'est vous qui regardez les vidéos. Vaut mieux prendre des idées que vous aimez bien. Oh le con, oh le con. Bref ça m'a saoulé, je l'ai en potion les gars. Et proposez-moi aussi des idées d'unboxing les gars, parce que je ne sais pas quoi unbox en fait. Si vous avez des produits gaming que vous comptez acheter, et bah franchement dites-le moi en commentaire. Et comme ça bah je regarderai ce que j'achèterai pour les nouveaux unboxings. Alors personnellement les gars, moi j'aime bien le pack, je sais pas vous, les épées comme ça, franchement je kiffe. En plus les particules elles sont cool aussi, elles sont carrées. Et je sais pas si je devrais créer un pack ou pas les gars, parce que ça me tente vraiment de créer un pack. Parce qu'en fait la dernière fois que j'avais créé un pack, il avait grave plu, il y avait Splash Fur qui l'utilisait et tout alors que j'étais pas connu. Et puis ça avait vraiment vraiment bien plu, j'ai eu plus de 15 000 téléchargements je crois, c'était assez cool. Non mais putain. Maintenant je me suis habitué, du coup je fais des trucs assez fluides quand même. Ah le tryharder. En vrai je pense que la G502, si je casse ma G502, je la reprendrai franchement. Je pense que c'est vraiment la meilleure souris. Parce que à chaque fois en fait, avant j'achetais tout le temps des souris. Genre je sais pas si ça vous arrivait aussi, mais j'achetais tout le temps des souris en fait, jusqu'à temps de trouver la bonne. Mais à chaque fois il y a un truc qui allait pas, genre soit c'était le clic, soit la sensi, enfin soit la prise en main, enfin vraiment il y avait beaucoup de trucs qui allaient pas. Mais la G502 franchement c'est assez cool, en même plus pour Minecraft le clic est assez léger quand même. Donc au moins vous avez pas de problème à ce sujet là les gars tout simplement. Là par contre j'y m'attarde quand même.
Bon voilà. Dites-moi votre sourire en commentaire les gars, que je voie un petit peu la commu, elle est plus Razer, SteelSeries, Logitech, parce qu'en vrai, je connais pas beaucoup de marques sur les produits gaming à part Razer, Logitech, vous avez compris, enfin les trucs de base, j'en connais pas trop. Par exemple SteelSeries, je connais pas les souris qui font, si elles sont bien ou pas. Je décide quand même de rentrer des petits combos pour la vidéo quand même, ça peut être assez cool. En vrai, je commence à me lasser de Funcraft, je sais pas vous les gars, mais comme ils sortent plus de nouveaux trucs, bah franchement, je me lasse un petit peu de Funcraft en ce moment, même des rushs. Donc voilà les mecs, j'espère que mon sort va bientôt ouvrir et que bah tout va se dérouler franchement dans le plus grand des calmes et dans les meilleures conditions possibles quoi. Ça serait assez cool. De toute façon, on prévoit des trucs de malade, genre. Ce sera pas que des grades pour avoir des avantages, vous aurez des trucs IRL et tout, enfin ça va être des trucs de malade. Je vais changer de serveur les gars, on va voir ce que ça donne. Je vais sur Valux, un très bon serveur selon moi, enfin genre vraiment. Je trouve que le serveur est assez cool, en sachant qu'il lag jamais franchement, je trouve qu'il lag vraiment jamais. Et ils sont sympathiques quand même les modos et les admins, enfin surtout les admins et les owners, ils sont sympas. Alors ça... Alors ça. Bon bah voilà les mecs, hein. Je mets pas mal de combos sur Valux, je trouve que je mets plus de combos sur Valux que sur Mindman. Bref, sur ce c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé les gars, vous aurez vu ma main, comment je fais pour cliquer et tout, je ne jitter pas tellement en vrai, parce que genre c'est assez chiant quand même, faut être vraiment déter pour jitter et pour jouer en même temps, c'est assez chiant. Bref, sur ce j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait, je vous souhaite la bienvenue si c'est pas déjà fait, à commenter, à me dire ce que je pourrais faire comme autre vidéo. C'était une vidéo assez courte quand même, j'essaie de faire tenir le daily upload. Bref, je vous laisse, merci d'avoir regardé. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo à 17h.